pas tout, donc je retrouve pour égaliser cette fois-ci mes produits terminés. Et encore une fois, j'ai besoin de trier parce que voilà, je finis plein de produits, c'est fou quoi. Et du coup après il y en a les trois, du coup j'ai... Enfin, je suis obligée de trier. Donc, voilà, donc j'ai encore trié. Voilà ce qui vient de dire ça. Bah oui, vous retrouvez mon produit terminé. Je vais blablabla pas de plus. Et puis, bah, j'ai commencé tout de suite. Alors, premier produit. Donc là, les produits sont juste devant moi. Donc, je vais les prendre là. Au lieu de les prendre par terre. Parce que je les tape pas par terre. Donc, alors, premier produit, un gel douche douceur qui vient sous la main. Premier produit qui vient sous la main. Un gel douche douceur de Avène. Présente comme ici dans un tout petit tube, enfin tout petit, dans un tube quoi. Donc, je m'en souviens du prix, il m'avait coûté 3,90€ ou truc comme ça. Donc, franchement, c'est pas cher. En même temps, c'est un petit tube, mais moi, ouais, c'est pas cher. Donc, c'est pour les peaux sensibles. Et donc, bah voilà. Et puis, bah, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, hein. Ils sont vraiment super bons. Ils sont Avène. Et ouais, j'ai vraiment aimé ce gel douche et voilà, comment dire, oui, il sent super bon, donc il sent Avène et voilà, je l'adore et moi j'aime bien l'odeur, enfin voilà, j'adore, enfin j'ai adoré parce que maintenant il est fini. Donc, prochain produit, huile pour le corps de Human Plus Skins. Qui se présente comme ceci. Donc là c'est un petit peu effacé, désolé. Donc bah voilà, je crois qu'on connaît quand même un petit peu le packaging de la marque. Donc c'est une huile pour le corps. Ouais, ça... Ah, moi je trouve que c'est trop bon. J'adore. Ouais, j'adore l'odeur. Donc par contre ouais, le bouchon était gras, donc quand vous l'utilisez, enfin si... de toute façon même pour tous les huiles que vous utilisez, je vous conseille de rincer après essuyer parce que les huiles c'est toujours gras. Donc bon, ça je pense que vous savez, enfin je sais pas, je dis pour les personnes qui ne sont pas. Bah voilà. Non grasse et rapidement absorbée. Oh, je suis désolée, là c'est un petit peu effacé. Désolée. Bah voilà, donc j'ai adoré cette huile. Et puis voilà, je le recommande si vous aimez les huiles et tout. Donc il traite quand même pas mal. Ouais, on a besoin de peu pour que ça hydrate, donc il était pas mal. Ces produits sont de l'autre côté. Donc oui, prochain produit, un gel douche de chez Tahiti à l'eau de coco. Qui se présente comme ceci. Alors celui-là, je l'ai fini hier soir, en me lavant, bien évidemment. Puisque c'est un gel douche, merci Scarlett. Donc là, c'est marqué nous, donc nouveau, mais... C'est pas nouveau vu que ça fait un petit moment, c'est plus nouveau. Ouh, j'arrive plus à parler. C'est plus nouveau puisque ça fait un petit moment que il est sorti. Donc, alors voilà, avec le gel douche Tahiti eau de coco, plongez dans le plaisir et la douceur du paradis. Découvrez sa formule au pH neutre pour la peau et à l'extrait naturel d'eau de coco. Sentez votre peau douce et hydratée. Voilà, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en ce moment, enfin, c'est l'automne. Théoriquement c'est l'automne, mais pratiquement, enfin voilà, pour moi c'est un petit peu l'hiver quand même. Quoique ouais, bon si c'est un petit peu l'hiver quand même, ouais. Enfin je préfère me dire que c'est l'hiver que l'automne, tu vois. Bon bref, c'est pas le sujet. Voilà, il sent, ah oh, ça sent super bon. Oh là là. Franchement, quand on utilise ce gel douche, on se croit en été, voilà. Voilà, c'est penser à l'été, au soleil, voilà. Et donc du coup, c'est assez cool de ressentir cette odeur-là, de se croire un petit peu, comment dire, en été, quand on est tout simplement bientôt en hiver. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, je recommande si vous voulez vous replonger dans l'été. Voilà, je vous recommande. Prochain produit, un gel nettoyant fraîcheur, donc de la gamme Hydra Végétale de Yves Rocher, qui ont un tube, je vois, j'allais dire petit tube, mais en fait c'est pas petit tube, je sais pas, j'ai envie de dire petit tube, je sais pas pourquoi. Bref, voilà, donc c'est un gel donc nettoyant fraîcheur donc pour le visage, et je vais lire ce qui est au dos.
Ce gel frais débarrasse instantanément la peau de toute impureté et trace de maquillage. Appliquez matin et soir sur le visage humide, massez délicatement puis rincez. Il faut mieux tester son contrôle dermatologique. Voilà, c'est un petit peu long à dire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce gel nettoyant. Pour peu de fois que j'ai utilisé, parce qu'après j'ai d'autres gels nettoyants et du coup j'alterne. Mais j'ai testé quand même 3-4 fois et je dois dire que j'ai quand même assez aimé parce que parce qu'en fait là ce produit, comme presque tous les produits, mais pas tous, on utilise ma soeur, ma mère et moi. Donc voilà, on utilise ensemble un produit, plusieurs produits d'ailleurs là, mais pas tout ce que je vous présente, mais presque. Donc du coup voilà, j'ai alterné, mais c'est fini quand même grâce à ma mère et ma soeur qui, enfin surtout ma mère, enfin bref, voilà, qui utilise, parce que moi si que moi qui l'utilisais, bah je crois qu'il serait pas encore fini. Donc bref, petite parenthèse. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime bien dans le gel nettoyant, c'est qu'en fait quand on le rince après, voilà, gel nettoyant fraîcheur, ça fait frais, c'est agréable, ouais. C'est trop agréable quand on rince, c'est quand même la peau fraîche et réveiller aussi. Moi je trouve que ça réveille. Enfin bref, j'ai vraiment bien aimé, vraiment, ce gel nettoyant. Et puis je le recommande encore une fois. Donc, prochain produit. Alors celui-là, il n'est pas sans besoin de vous présenter puisqu'il s'agit de l'eau précieuse, donc une lotion pour application cutanée. Voilà, donc pour application cutanée, purifie, assainit la peau, soin des peaux à imperfection ou des peaux à tendance acnéique. Donc celui-là, je vous présente plus, j'ai présenté 100 fois, enfin 100 fois façon de parler. Pour vite faire, enfin je l'adore. Et voilà, et juste en fait, je voulais quand même vous présenter pour vous dire que encore une fois, on l'a fini, on l'a fini, et je crois que ça ne sera pas notre dernier. La dernière bouteille, mais voilà, donc voilà, juste pour vous dire que c'est vraiment bien ce produit, la preuve. Donc voilà, je vous présente plus trop, donc je recommande. Prochain produit, alors je l'ai fini enfin, le masque nettoyant exfoliant de Garnier, même si moi je l'utilisais en masque. J'ai enfin terminé, il est mais énorme ce tube, enfin je sais pas, moi j'ai pas besoin d'une tonne pour juste faire tout mon visage, le mettre, appliquer le produit sur tout mon visage, le masque, et voilà, et j'en avais marre, je voulais utiliser autre chose, et voilà, il était bien, franchement il était bien, mais le problème c'est que moi, je me lasse vite des produits, donc du coup, bah voilà. Ils sont Garnier. Bon, ils sont Garnier. Voilà, tout simplement. Le 3 en 1 nettoyant plus exfoliant plus masque est-il fait pour moi? Oui, si votre peau est mixte à tendance grasse, sujette aux impuretés, brillance et poire. Non, je suis grave. Non, et pore dilaté. Donc, il s'utilise à la fois comme nettoyant, exfoliant et masque. Donc Max enrichit en argile blanche et diminue visiblement les brillances de la peau. Alors voilà, en tant que masque, donc je peux vous dire ce que j'en pense en tant que masque. Donc en tant que masque, il fait vraiment bien son job. Il fait vraiment bien son job parce que quand on l'applique, donc déjà c'est à poser 3 minutes comme masque. Et je sais pas comment dire. Il réduit les brillances de la peau. Même si après, au bout d'un moment, j'en ai tellement marre que je regardais plus si c'était fait ou pas. Parce que peut-être je l'utilisais toutes les semaines, enfin à chaque fois que je faisais moi je l'utilisais et je voulais vite qu'ils s'unissent et bref là je reste trop longtemps sur un produit, enfin bref, je l'ai quand même aimé même si je me lasse vite encore une fois des produits. Petite erreur vidéo YouTube, un des produits est tombé, voilà, bon ça c'est les failles des vidéos YouTube. Donc bref. Prochain produit, un gommage au thé vert, gommage corlissant de chez Sephora, qui se présente comme ceci. Donc j'avais fini celui-là au chocolat que vous avez présenté, dans un produit terminé encore une fois, donc c'est au thé vert, et moi j'ai beaucoup aimé,
Et moi j'étais Sephora, j'étais sur le chocolat, je suis là. Ah voilà. Juste c'est celui-là au chocolat et celui-là au thé vert. Et franchement, je suis vraiment très très contente. Donc voilà, ils sont vraiment trop bons, thé vert, chocolat. Ouh là là, j'en parle même pas. Et voilà. Moi, j'ai vraiment adoré les gommages Sephora. Et celui-là, je l'ai adoré particulièrement. Et voilà, quoi dire. Enfin, les crins sont assez quand même gros pour bien gommer la peau. Et ouais, coup de cœur. prochain produit. Oui, un gel douche, donc douceur de la gamme douceur d'enfance de chez Dope au parfum du bonbon Coca-Cola. Coca-Cola, donc voilà. Alors je pense que vous avez entendu parler puisque, oh punaise, on entend vraiment super parler sur YouTube. De toute façon, toute la gamme douceur d'enfance, on entend parler. Moi, je crois que à un moment donné, je vais tous les tester. Je crois que j'ai tous testé. Ah non, il y en a un. Enfin voilà, j'ai testé celui-là. Donc, bonbon Coca-Cola, 4 carreaux citron qui est juste une tuerie, que j'ai pas encore fini. Il y a aussi pomme d'amour que ma soeur m'a offert et pour mon anniversaire que j'ai pris dans mes cadeaux d'anniversaire. Et voilà, franchement moi je suis fan de cette gamme là parce que franchement mais j'adore quoi. Et les odeurs ils sont trop ouf et oufissimes. Et donc il claque génial. Et voilà, mais il sent. Mais il sent, mais limite t'as envie de manger quoi. Surtout moi j'adore les bonbons Coca-Cola, j'aime pas le coca. Mais j'aime bien les bonbons. Mais voilà, donc j'ai. J'ai adoré. Et voilà. En même temps, comment ça s'est un peu terminé et en même temps un petit peu mécontente que ça soit déjà terminé. Donc bah voilà. Donc voilà, j'ai plus de produits à présenter. Donc bah voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'ai envie de dire. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc désolée pour ce petit produit qui est juste à côté de moi, qui est tombé, voilà. Petite faille de YouTube, donc je m'excuse pour ça. Voilà, donc j'espère que toute cette vidéo encore une fois vous aura plu. Et c'est tout quoi. Voilà, c'est tout. Ben je vous retrouve ben, mercredi prochain. J'ai hésité, alors que je dis 100 fois, là j'ai hésité. C'est un peu bizarre. Donc voilà, je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!